Trêve de plaisanterie, yop les potes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la série Ma ferme américaine. Donc dans cet épisode, on va faire quelques trucs sympathiques et je vois que la remorque, elle a fini de se vider. Hop, j'ai défermé ma porte, nickel. Donc du coup, bah moi ça va super bien, j'espère que vous allez bien. Du coup, voilà, comme j'allais dire, dans ce nouvel épisode, alors j'avais envie de déconner un peu en prenant, bon, pourquoi pas nourrir ces cochons avec une remorque qui rentre dans la carrosserie de la 9T. Non mais tout va bien. Clignotant à gauche, s'il vous plaît, on le voit pas. Non mais voilà, je me fais arrêter par les flics, c'est bon, je suis au commissariat et je suis viré, quoi. Non mais c'est vrai. Mais franchement, why not? Je l'ai pas vu avec ces gros trucs à l'avant. Et donc voilà, donc pour cet épisode-là, comme vous pouvez le voir, j'ai charbonné, mais charbonné. Pas pendant mes vacances, hein, juste là aujourd'hui. Depuis 13h j'y suis, là je tourne, il est 17h à peu près environ, hein, je vous laisse voir. Donc j'ai mis pas mal de temps d'accélérer, j'ai fait pas mal de moissons, il me restera de la moisson à faire, mais je pense qu'on le fera pour le prochain épisode. Il y a un champ que j'ai ressemé, après je sais pas si je vais ressemer les champs, en tout cas je vais ressemer les deux champs qui me restent en maïs, pour pouvoir renourrir les cochons, parce qu'en vrai c'est vraiment la galère, j'en mets vraiment. Et voilà, donc là c'était ma récolte de maïs qui me restait très clairement. Et donc aujourd'hui, bah, un nouvel arrivant bien sûr. Enfin, alors j'avais une hésitation. Bah, vous, de toute façon, vous savez lequel j'ai pris, mais j'avais une hésitation en fait parce que je me suis dit, bon, on achète quoi, le Fend ou le Challenger? Très clairement, je voulais pas acheter le Fend. Déjà parce qu'il coûte cher, plus cher, mais aussi parce qu'on a déjà un Fend. On a quand même le 1050, je crois que c'est le 1050. Bref, on a 1050 de Vario de chez Fend, donc du coup, je vois pas pourquoi acheter le 930 à chenille de chez Fend aussi. Donc du coup, je me suis dit, on va prendre Challenger, même si je sais que Fend et Challenger, c'est exactement la même chose. Ça, j'en suis très conscient. Par contre, cette petite remorque, est-ce qu'on la garde? Le moment d'hésitation est là, très clairement. Non, je sais pas, j'ai le soleil dans les yeux, c'est chiant. Bon, bah on va quand même partir l'acheter. Donc oui, c'est vrai que là je suis revenu de mes vacances, mais vous inquiétez pas. Normalement, logiquement, je vous promets rien. De toute façon, les lives vont arriver, ça c'était prévu. Les lives vont arriver et dans les lives, bien sûr, je vais faire des lives farming et Minecraft. Les vidéos sortiront toujours en même temps, donc en gros pour ceux qui voilà qui regardent Fuck Farming, bah ça sera toujours le mercredi à 15h, et pour ceux qui regardent Minecraft, ça sera toujours le samedi à 15h. Je redirai ça dans la vidéo de Minecraft, vous inquiétez pas pour ceux. Voilà, et donc du coup je vais faire peut-être un live ce soir, soit ce soir, je verrai. De toute façon je programmerai en avance le live, soit je le ferai à 20h, ouais 20h30 c'est pas trop mal, c'est ni trop tard ni trop tôt, enfin voilà, ou alors 20h, de toute façon je programmerai toujours mes lives, si je peux hein, bien sûr, j'essaierai de les programmer au maximum. En gros, vous recevrez une notification donc quand je serai en direct dans une demi-heure et quand je serai en direct, voilà, ou ça marquera en attente de, bah, je serai en attente. Mais vous inquiétez pas, et tout va se passer. Ah, c'est 943, je disais 930. MT, ouais. Bon, on va opter plutôt pour le MT 743. Ils n'ont pas pu mettre 943. Bref, on va partir sur un petit Challenger. Bon, on n'a plus d'argent après, on est rincé. Acheté pour 412 000 euros. 500. Enfin, dollars plutôt, excusez-moi. Oui, achat en cours. Vous pouvez le récupérer dans le concessionnaire. Voilà, donc c'est ça le fan que je parlais. Est-ce que c'est bien 1050? Alors, normalement, c'est marqué sur le côté. Fan de 1050. Bon, il serait temps que je l'ai là. Ouais, donc j'ai reçu un commentaire comme quoi pour l'épisode 40 il était d'accord. Alors je ne sais plus de qui c'est le commentaire, j'ai pas mon téléphone à côté comme d'habitude. C'est génial. Et ben en tout cas merci à toi d'avoir mis ce commentaire là, parce que voilà. Et c'est vrai que t'as raison que pour si à l'épisode 40 je vends tout, c'est vrai que t'as raison qu'il vaut mieux quand même que je lave mon matos. C'est vraiment ouais, ça serait plutôt ouais, ça serait intéressant quand même. Ouais. Bon, donc c'est pas tout, trêve de plaisanterie, il est devant nous, regardez, devant le Xerion avec le transborder de 70 000 litres de Elmers, ouais bon bref. Le Challenger est en face, entre les rétros et la cabine du Xerion. On va arrêter là, on va pas attendre, et voilà, enfin on a un truc
pur américain avec de la gueule. Voilà, de la gueule. Là, y a pas à dire, c'est qu'il y a ça de la gueule. Bref, un petit challenger avec sa petite masse à l'américaine. Pas de relevage avant. Ouais, nickel, nickel. Oh là là, j'aime bien les chenilles, super. En vrai, c'est stylé. Oh, en vrai, ça fait du bien de passer quand même sur du gros, gros calibre. Et maintenant, moi, je dirais une petite vue intérieure qui ferait plaisir. Oh, mec, on voit que ça vient des États-Unis. Il y a de la ventilation à fond, des deux côtés. Ah non, bah ouais, bah, ouais, t'as quand même une grosse ventilation, quoi. Et le volant, ah ouais, le volant un peu bizarre, c'est ça reste quand même le volant le plus bizarre au monde. Alors le logo Challenger, ah ouais, en vrai il est bien fait le logo Challenger. Oh là là, oh là là, ah, ah, dégueulasse. Ah non, là c'est pas, ah c'est un peu flou, mais on aurait aimé mieux. Bon, ça fait large quand même à l'arrière, alors que c'est pas aussi large que ça. Ouais non, ça fait pas si large. Bon, attention, lire la notice. Bon. Non, en vrai, franchement, moi j'aime bien. Franchement, j'adhère, tu vois. Non, franchement, qui veut monter? Ah, mais ouais, là, tu mets ta petite glacière là derrière, là. Ici, là. Là, t'es nickel. Ou là, devant, là. Ah, tiens, on voit le réservoir. Non, franchement, j'aime bien. Après. Oh, je sais pas si vous en. Attendez. J'ai augmenté le son car vous. Baisser, non, c'est pas baisser. C'est augmenter. Alors maintenant, faut m'expliquer comment ça. Putain, c'est super bien fait quand ça tourne. Les gars, on a affaire à un tracteur. Non, en vrai, franchement, merci. Oh non, mec, attends. Oh, le rayon de braquage, c'est un truc de fou. Ah, c'est fort, désolé, j'ai plus d'oreilles. Ouais, bon, on est au petit matin, les petits oignons et tout. Non, franchement, en vrai, mignon. J'adore ce rayon de braquage, genre, c'est un truc de fou. Alors, on va aller lire les statistiques quand même, je vais pas regarder. Donc, on a 79 kW sous le capot, donc en gros, c'est équivaut à 380 chevaux. 680 litres, c'est du DEF, donc ça doit être de l'électricité, entre guillemets. 71 litres d'électricité, ah, je sais pas, Daddy Blue peut-être. Non, ouais, je sais pas. Et il va jusqu'à 40 km/h, très franchement, bon. Ouais. Il n'y a rien qui change entre les deux, il y a juste lui qui est plus cher, parce que c'est FN, je suppose. Bah, en vrai, en vert, il a pas plus de gueule, je trouve. Non, en vert, c'est pas... Ouais, c'est pas... Oh, 60 km, faut que je l'achète. Ouais, celui-là, faut que j'achète le Dots. J'ai toujours pas acheté le Dots, même sur ma partie perso. Mais bah, franchement, un défi de plus de réaliser. Il nous restera plus qu'à faire des betteraves, tout simplement. Oh non, mais mec, je suis tombé amoureux de ce truc. Oui. Allez, moi, je dis, c'est la fête. Merde. Oh là là, mais c'est tellement bien! Attendez, on va aller pendre avec, voir un peu ce qu'il a sous le capot. Oh, mais là, c'est trop bien. Dites en commentaire sur quoi je le mets en activité. Plutôt tout ce qui est semis, peut-être labour, enfin bref. C'est vrai qu'il manquait un tracteur dans la ferme parce que quand j'étais en train de faire le rush là. Bah, il manquait toujours un tracteur parce que le Xerion est avec la benne. La moissonneuse, bon bah la moissonneuse c'est la moissonneuse mais. Elle est en train de moissonner. Et d'ailleurs, la barre de coupe, elle fonctionne super bien. Alors, elle est là-bas. Mais il faudrait que je vous montre. Ouais. Parce que franchement, elle fonctionne super bien. Attendez, je vais juste prendre... Voilà, la petite moissonneuse batteuse. Regardez, je vais vous montrer, mais ça marche super bien avec la barre de coupe. C'est ça qui est génial. Si jamais vous êtes sur une partie comme ça, bon, prenez pas la TX avec la plus grosse barre de coupe. Parce qu'en fait, la TX n'avance pas. Mais prenez la John Deere avec la barre de coupe de la TX. C'est un excellent choix. Mais voilà, donc n'hésitez pas, tu sais, quand vous êtes. Si vous voulez pas acheter la John Deere, la suivante, la 280 000, là, bah n'hésitez pas à acheter sa barre de coupe juste et l'accrocher à la TX, ça devrait le faire. Même si elle devrait être un peu plus longue, la TX.
Et moi qui savais pas ça, bah moi je me suis démerdé avec une boucle part de coupe à 3 mètres. Ah c'est génial. Non mais avant c'était bien parce que le... D'accord. Avant ce qui était encore mieux c'était avec le... La herse rotative comme j'ai dit dans le... Dans l'épisode dernier si je me trompe pas. Et bah avec la herse rotative c'était génial. Regardez. Hop là, on récolte super bien. Et puis voilà. Voilà, donc on fera ça pour le prochain épisode. Donc là il y aura ça, il y aura ces deux-là à ressemer, je sais pas encore, mais je vais les ressemer. Voilà, c'est ce tracteur là qui était un peu en train de faire le pivot entre bah les moutons et la ferme, très clairement, voilà, c'était ça très clairement. Le Xerion bah toujours avec son transbordeur chéri, voilà. Mais là, il est... quand le transbordeur il est plein, le Xerion, putain qu'il avance pas, hein. Il est Non il avance pas du tout. Pas un pet. Par contre elle est où la moissonneuse? Je vais jouer qu'elle était. Ah non. Non en vrai franchement je suis assez fier de ce challenger. Bah, il en fallait un dans la ferme on va dire. Hein. C'est un peu le. C'était un peu le but du truc, hein. C'est qu'il fallait un challenger. Donc maintenant qu'on a le challenger, il nous restera plus qu'à acheter. Alors si je me trompe pas. Là au mer ou là au pas. Bah dites-moi en commentaire celle que vous voulez si vous voulez mettre en commentaire monsieur Gilles. Mais voilà donc soit on prend la Panthère, la Panthère 2, de la repas, soit on prend la Terrados T4, ça fait un peu espagnol, Terrados. Party ou non, Terrados. T4 40. Voilà de chez Holmer, tout simplement on pourrait peut-être partir là-dessus. Et ça fait un moment que j'avais pas fait d'épandage. Tiens, on va faire une voiture là-dedans. Voilà. Un petit peu d'épandage. Oui. Non parce que c'est vrai que l'épandage, bon on en a fait, mais sur deux épisodes consécutifs, et c'est vrai que depuis j'en ai pas vraiment fait. Mais en tout cas, la vedette de cette vidéo restera quand même ce petit challenger qui braque mais incontrôlablement. Non, ouais, c'est incontrôlable comme véhicule. Je vous conseille de l'acheter parce que c'est vraiment la crème des crèmes en ce qui concerne. Oh, regardez ça, c'est pas beau. Un petit challenger en train d'épandre du lisier. Oh là là. Ouais, bien sûr, les champs, c'est pas moi qui les ai moissonnés pendant ces heures d'affilée, c'est vrai que bon, et bah ce Furude, c'est long, hein, n'empêche, là, quand tu te dis, bon, si je voulais, j'aurais pu finir le jeu, c'est vrai. En une heure, je vais vous dire à peu près comment j'ai gagné. En une heure, je devais gagner à peu près, si je dis pas de bêtises, je devais arriver à peu près à 80 000 euros par heure. Donc voilà, c'est très très peu. Il peine pas trop à la tirer. Hein. Franchement, ça va. Ça, c'est du pur américain. Voilà, si vous voulez faire de l'américain, et ben voilà. Donc après, aussi, je voulais me donner un truc, c'était qu'à chaque début de vidéo, je fais quelque chose d'irréaliste. Oula, il peine un peu. Genre là par exemple là, j'ai utilisé la moissonneuse pour livrer une benne par exemple. Proposez-moi des trucs parce que franchement ça pourrait être sympa genre de se faire un petit truc irréaliste à chaque début de vidéo. Oh ça changerait d'habitude quoi. Un petit truc irréaliste. Why not? Ouais donc du coup je vais essayer de faire un live ce soir. Je vous promets pas que la qualité sera exceptionnelle, sachant que le focus il est un peu voilà il on fait pas très copain quoi. Non le focus et moi c'est on est comme deux. Non genre en gros bah si vous voulez me voir parce que c'est moi enfin parce que voilà juste pour voir le jeu franchement venez. Mais si jamais vous aimez pas quand le focus se fait tous les... En vrai, c'est pas si dérangeant que ça. Franchement, c'est pas si dérangeant que ça. Mais il faudrait que j'arrive à le régler, le focus. Mais voilà, c'est du boulot, mais... Normalement, ça devrait pouvoir se faire. J'essayerai de... En tout cas, de régler ça. Mais sinon, voilà, si c'est... Venez quand même, hein, voilà. Même, bon, après, si vous aimez pas, bah, restez pas. Mais... C'est vrai que les lives, ouais, c'est le focus qui m'énerve.
Mais en tout cas, je vais essayer parce que franchement, c'est vrai que les lives me manquent. C'était bien de faire des lives. Et puis, bon, le dernier live que j'ai fait, franchement, il a eu de très très bons résultats. Et bah, j'en suis fier, quoi. Bon, bah voilà. Hein. Oh, pour un chant, on aura vidé une tonalisée. Oula, oula. Calme-toi. On va aller vendre les cochons pour cette fin d'épisode. Et puis, on va se laisser là. Et le prochain épisode, on ne pense pas qu'on fera les betteraves. Mais on sera pas loin. On sera pas loin. Voilà, voilà. Hop. Et le prochain épisode, c'est mercredi prochain. Ah, mais ouais, mais si je fais un live, ouais, j'essayerai quand même de faire un petit off. Hein, parce que j'essaye de faire une vidéo sur deux, un off. Hop, on va juste la ranger, la tonaliser. Voilà. Avec le bichon, bichon, bichon. Hop, et on va aller vendre. Voilà, là, mais il braque trop. C'est incontrôlable. En vrai, je vous le conseille parce que franchement, il est bien. Where is my camtar? Il est là, my camtar. Bon, la ferme est déjà en bordel. Hein. Je l'ai rangé ce matin. Bah, walou! Non, en vrai, je l'ai déjà remise en bordel. Mais c'est moi, qu'est-ce que vous voulez? Je crois qu'on est arrivé. Alors, on est arrivé à combien de cochons? Alors, on doit arriver à peu près à. Non, ça, c'est des vaches. On est arrivé à 94 cochons. Donc là, on peut vendre quasiment. 32, 64, 64 et 94. Il restera 30. Ouais, ouais, on pourrait vendre deux remorques là. Donc on se ferait 64 000 euros. Pas trop mal. Mais les cochons, franchement, c'est pas le truc le plus rentable au monde. Hein. Franchement, il y a beaucoup plus rentable. Mais n'hésitez pas à en faire, bien sûr. Ouais, donc un truc aussi qui peut être très rentable. Parce que c'est vrai qu'on m'a demandé souvent ouais, comment tu faisais pour gagner beaucoup d'argent. Et ça, on m'a même demandé combien d'heures j'étais. Bon, j'ai répondu approximativement 120 heures, mais en fait, j'étais plus proche des 115 que des 120. Hop, donc si tu passes sur la vidéo, tu te reconnaîtras, mais en tout cas, voilà, donc je suis plus proche des 115. Là, je crois que je fasse 112 ou 113. Avec toutes les heures là que j'ai dû faire, je suis à 115. Mais voilà, donc je suis pas encore à 120, ça va pas tarder. Non, mais c'est sur ma partie perso, je suis déjà à 130, donc du coup, voilà. Mais bon, voilà. Un truc qui peut être rentable aussi, voilà ce que j'étais en train de dire, un truc qui pouvait être rentable pour vous si vous commencez bien sûr farming, bah, ce farming là, toi au début, bah déjà acheter de quoi faire les chevaux, voilà, faites des chevaux. Aïe, faites ouais, faites des chevaux, ça pourrait être. Mais non, Jacqueline. Ouais, bah faites un maximum de chevaux en fait, en prenez-en 4. Moi ce que je prenais, je faisais. Bah j'en achetais 4 et je revendais 4 à chaque fois. Ils sont dedans. Voilà, c'est bon. Mais arrête. C'est pas drôle, Jacqueline. Donc du coup voilà, donc c'est les chevaux les plus rentables pour le début je pense, parce que moi je gagnais à peu près 200 000 euros à chaque fois que je les revendais. Sachant que vous mettez le temps en x45, vous avez juste à refaire du... Bah vous préparez de l'avoine en réserve, vous faites maximum d'avoine au niveau rendement, ça va, ça le fait. Et puis en plus de ça, vous avez déjà la paille. Bon après il faut acheter, c'est vrai qu'il faut quand même acheter tout ce qui est faucheuse, faneuse et chargeuse. Bon. Voilà, et quand vous avez un surplus de paille par exemple, bah, vous le mettez à la, vous le vendez et puis hop, vous refaisez les champs comme ça. Mais je crois que le bétailleur c'est là, non? Ouais, c'est le marchand de bétail, c'est derrière, c'est bien ce que je me disais. Hein. Non, c'est vrai que j'ai pas joué depuis 2-3 semaines, donc bah, ça commence à faire un peu beaucoup quoi. Allez, on vend tout ça. Y 36 000. Ah bon, on est remonté à 41 000. Combien il reste de cochons? De cochonailles. Il reste 58 cochons. Bon, on va les laisser les 58 autres. Et puis voilà, donc on va se laisser pour cet épisode. Ce sera tout. J'espère que celui-ci vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas. Ouais, aussi, j'ai rangé les boîtes là. J'ai fait des pyramides là-bas. Bref. Donc, bah, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu. À vous abonner si c'est pas déjà fait. Parce que j'ai vu, hein, je le vois. J'ai quand même... comment dire, les résultats sur YouTube Studio, et il y a 80% des gens qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés.
Donc voilà, si ça vous plaît, abonnez-vous, hein. Moi je vous oblige pas, hein. Franchement, et activez la cloche, et surtout maintenant toutes, parce que vous mettez pour toutes les notifications, sachant qu'il va y avoir des lives et je suis pas sûr que je vais les programmer tout le temps. Mais voilà, donc voilà, voilà, voilà. Et puis voilà quoi, bah allez, moi je vous dis à la semaine prochaine, c'était Benji du Sale. Bah non, ce soir en fait, ouais, ce soir si j'arrive à faire le live, sinon c'est la semaine prochaine. Allez, ciao tout le monde.